Je suis présidente de l'Association nationale Un défi de taille, association regroupant un ensemble de pathologies qui s'appellent les dysplasies spondylo-épimétaphysaires, qui ont des caractéristiques communes, notamment des déformations osseuses et de l'arthrose précoce, ainsi que d'autres signes cliniques qui peuvent y être associés. Le fait de se retrouver avec les autres associations nous a permis de mesurer des enjeux dont nous n'aurions peut-être pas pris conscience auparavant. Je pense notamment en termes de recherche, mais aussi de réseau européen. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer l'association du syndrome de Klippefeld. Et au-delà de la coopération au sein de la gouvernance de notre filière commune, nous sommes ravis de mutualiser nos savoir-faire au sein de cette gouvernance. Nos états d'esprit associatif se cultivent ensemble. Il est nécessaire que chacun puisse contribuer aux universités d'automne. Les séquences d'information, les ateliers ont vraiment pour but de mutualiser, de créer du réseau. Les échanges interassociatifs sont riches et constructifs. Chacun peut vraiment être source de propositions, d'actions, de création d'outils qui vont être nécessaires pour œuvrer dans le champ des maladies rares.